Mesdames, messieurs, bien chères Ludoises, bien chers Ludois, dycéens, dycéennes, chers concitoyens, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au sein de notre bel espace Ronsard pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroule cette année dans un contexte un peu spécial. Ce rendez-vous annuel qui donne tout son sens à notre action collective et publique se déroulera aujourd'hui en comité restreint. Je remercie les équipes d'LMTV présentes aujourd'hui pour filmer l'événement qui sera retransmis sur le site internet de la ville et nos réseaux sociaux, afin que tous les habitants de la commune nouvelle, vous, puissiez profiter de cet instant de partage. Ce soir, nous reviendrons en images sur l'année écoulée. Vous le verrez, la crise que nous traversons n'a pas réussi à affaiblir la richesse de notre vie locale. Les surprises, bonnes ou mauvaises, ont souvent mis en lumière de belles histoires ou de belles réussites. Ce soir, j'aurai également le plaisir de vous présenter la toute nouvelle vidéo promotionnelle de notre commune. Un magnifique condensé des charmes du Lude et de ses alentours réalisé par les studios numéro 7 de Verneuil-le-Chétif. Nous terminerons sur une note musicale avec le dernier clip du chanteur Amir, réalisé au Lude, avant de décerner les traditionnels trophées de la ville. L'année 2020 est derrière nous, et quelle année ! Personne n'aurait pu imaginer que de tels événements bouleverseraient à ce point nos activités culturelles, touristiques, économiques, associatives et familiales. L'époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer pour partager un moment convivial. L'épidémie en a décidé autrement. Les livres d'histoire se souviendront de cette année inédite et perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie. La convivialité d'abord, surtout durant les fêtes, grande tradition qui devient si indispensable lorsqu'on nous en a privés. La proximité et le bonheur d'être ensemble lors de nos événements festifs, nos spectacles et manifestations culturelles, de la fête Renaissance au Noël des aînés, en passant par les commémorations et fêtes nationales. Ces moments que nous avons toujours connus et dont nous avons pu mesurer combien ils sont la marque de notre union et ils nous ont manqué en 2020. L'envie de retrouver une vie normale est tellement forte, mais nous devons garder espoir. Malgré les contraintes sanitaires, continuons autant que possible d'imaginer des projets, de rassembler, de créer et investir dans ce qui compte plus que jamais. 2020, c'est aussi l'année où vous m'avez élu maire de la commune nouvelle et je tenais à vous remercier à nouveau pour la confiance que vous m'accordez et que vous accordez à notre équipe. Vous connaissez mon attachement à la commune et à ses habitants, mon engagement pour l'intérêt général, pour le meilleur service public rendu et pour la proximité humaine. Je n'oublie pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix lors des élections. Nous sommes les élus de toutes et tous dans une démarche de respect, d'écoute et de tolérance. Quel bilan dresser de cette année durement marquée par la crise sanitaire. Je retiens pour ma part la mobilisation des acteurs de notre territoire, nos associations, nos services municipaux, nos partenaires privés et institutionnels et nos citoyens engagés qui ont écrit ensemble au fil des mois une nouvelle page de l'histoire de notre commune. Notre solidarité a été remarquable. Je salue encore tous ceux qui ont tant donné durant ces moments difficiles. Je vous remercie d'avoir respecté les règles. J'adresse ici une pensée à tous les habitants qui nous ont quittés durant cette année, ainsi qu'à ceux qui ont perdu un proche, victime ou non, du Covid-19, tant les conditions de deuil ont pu être difficiles et douloureuses pour tous. Je salue également la formidable qualité de notre personnel soignant et la disponibilité de nos professionnels de santé libéraux, et plus généralement, toutes celles et ceux qui sont au front pour secourir ou aider ceux qui en ont besoin. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, votre équipe municipale poursuit son action avec détermination et optimisme. Nous avons souffert, mais tellement appris. Beaucoup d'adaptations pour faire face aux défis qui étaient les nôtres. Prendre soin des plus vulnérables, accompagner nos administrés, soutenir nos entreprises et maintenir la qualité de nos services publics. Nous pouvons nous réjouir de pouvoir compter sur des élus volontaires et dévoués qui ont su maintenir un cap simple,
organiser scrupuleusement les protocoles sanitaires tout en permettant autant que possible les activités des uns et des autres. Je n'oublie pas, bien évidemment, nos commerçants, artisans et PME, particulièrement impactés par la crise que nous avons subie et qui subissent encore. Nombre de salariés sont dans l'angoisse de l'avenir et pour certains privés d'une partie de leurs revenus. Pour l'heure, nous ne connaissons rien des conditions dans lesquelles l'année 2021 pourra se dérouler, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Soyez néanmoins assurés que je mettrai tout en œuvre avec mon équipe pour que le LUD poursuive son développement économique et social, au service de tous, tout en assumant son rôle de commune nouvelle au sein du territoire, de notre territoire. J'ai la conviction que nous avons pu faire beaucoup pour notre qualité de vie et que nous en ferons encore. Notre commune fait indéniablement partie du dynamisme économique de notre pays, la vallée du Loir, que j'ai l'immense honneur de présider depuis le mois de septembre. Je crois beaucoup dans les opportunités de création d'entreprises et de formation que notre territoire peut accueillir, et notamment dans le cadre de vie paisible qu'offre notre campagne ou encore la richesse de notre vie associative, culturelle ou sportive. En 2020, le secteur culturel, si cher à mes yeux, a été soumis à rude épreuve par les annulations, fermetures, reports et protocoles parfois difficiles à mettre en œuvre. Le programme initialement prévu a été fortement impacté par les précautions sanitaires que nous avons dû prendre. Le pôle culture et les élus, sachez-le, travaillent d'ores et déjà à la programmation d'avant-saison et d'été 2021. Notre capacité à nous remettre en question et à nous adapter montre à quel point la ténacité et l'engagement portent toujours ses fruits. Soutenir nos artistes locaux, nos danseurs, musiciens et associations, porter la culture, le sport au rang de priorité par une offre riche et diversifiée, tel est notre devoir de collectivité locale et nous y engageons. Je ne pourrais continuer ce discours sans saluer l'action de notre personnel communal, dirigé par Madame Levert, notre directrice générale, pour son professionnalisme et son implication quotidienne dans le fonctionnement de notre collectivité. Je profite de cette tribune pour remercier également tous les acteurs nationaux qui soutiennent notre ville par leur présence ou par leur travail. Alors je vous propose, à présent, de revenir en vidéo sur les jalons qui ont fait l'année passée, mais également sur les projets prévus pour l'année à venir. Vous allez le voir, l'année 2020, malgré les confinements successifs et les mauvaises surprises, a été riche en émotions et en nouveautés.
Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année et surtout, surtout, offrez local, consommez local. 2021 sera une année décisive au Louvre, qui verra le lancement de plusieurs chantiers d'envergure. La création d'une zone d'attractivité économique sur la zone des Tourelles, d'abord, que vous avez vue, un bel ensemble composé de 3 bâtiments industriels et de 5 terrains constructibles à prix attractif pour que le Louvre réaffirme sa proximité avec les entreprises, les artisans et les commerçants. Un engagement pris dès le début de ce mandat et qui s'exprime ici de manière très concrète, via un investissement de plus d'€1 300 000 pour l'économie et l'emploi local. 2021 sera aussi l'année qui verra le lancement de la création des locaux et logements de la brigade de la gendarmerie du Lude et le début des aménagements des bords de Loire. Le projet comprend en premier lieu la création d'un circuit piétonnier, d'une piste cyclable, d'un bac permettant la traversée du Loire. Notre ambition mobilité locale, c'est relier les zones touristique au centre-ville via un réseau de roues dont le tracé est actuellement à l'étude par vos élus et que vous avez vu tout à l'heure sur leur vélo. Cette réalisation verra notre ville s'insérer dans une démarche écologique durable, aujourd'hui indispensable. Notre feuille de route est désormais fixée: rénover, bâtir durablement et rayonner. Cette année, l'obtention effective de la très prisée distinction Petite Cité de Caractère nous permettra de mettre en valeur notre précieux patrimoine architectural et paysager. Je tiens ici d'ailleurs à saluer le travail de nos directeurs et de leurs équipes qui ont mis en avant les nombreux atouts de la commune, mais aussi à remercier nos habitants qui ont su apporter des embellissements parfois nécessaires à leurs biens pour obtenir ce prestigieux label. Merci à vous. Également retenu dans le programme Petites Villes de demain du ministère de la Cohésion des Territoires, parmi 30 communes sartoises, la commune nouvelle bénéficiera d'aides conséquentes pour ses projets, aussi bien humains que financiers, avec des subventions supplémentaires qui nous permettront d'engager la réhabilitation de certaines zones de la ville afin de lutter contre l'habitat insalubre, indigne,
soutenir la revitalisation, faciliter l'accès aux soins médicaux et développer la mobilité. La mobilité, cet enjeu majeur de notre époque, qui nécessite une vision à long terme pour diversifier les solutions de déplacement. Nous lançons dès à présent une démarche qui vise à anticiper les futurs comportements des usagers en prenant en compte les contraintes et attentes de chacun. J'en veux pour preuve l'importante utilisation de nos véhicules électriques installés depuis plus d'un an, un succès multigénérationnel dont nous pouvons être fiers. Je remercie toutes les personnes qui ont participé cette année de près ou de loin au développement de notre commune. Monsieur Attal, porte-parole du gouvernement, qui nous a rendu visite en juillet dernier. Madame Caroline Cayeux, présidente de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Évidemment, notre sénateur Louis-Jean de Nicolaï. Madame Christelle Morançais, notre présidente de région. Et tous mes collègues du Conseil régional, avec qui de nombreux projets sont encore à construire sur notre territoire. Je salue également les services de l'État, de la région et du département, de la communauté de communes, les architectes des bâtiments de France, M. Gauthier en particulier, l'Association des petites cités de caractère, l'Association CHAM, le président la représente aujourd'hui, la Fondation du patrimoine et le pôle d'équilibre territorial rural de la vallée du Loir qui nous accompagnent au quotidien dans nos projets. Notre patrimoine authentique, nos attraits à la fois architecturaux et naturels, nécessitent une mise en lumière particulière. C'est pourquoi j'ai demandé en 2020 la réalisation d'un film ambassadeur à un studio professionnel basé à Verneuil-le-Chétif, juste à côté de l'activité locale. Ce film, que je suis heureuse de vous présenter ce soir, sera utilisé comme support publicitaire pour promouvoir les richesses de notre commune. J'adresse ici un grand merci à toutes celles et ceux, habitants, chefs d'entreprise, responsables d'associations ou figurants, qui ont permis la réalisation de ce film. Le service communication de la mairie prendra prochainement contact avec vous pour vous le remettre en main propre. J'appelle à présent Corinne, Adèle et Éric Langlois du studio numéro 7 production à qui je laisse la parole pour vous présenter leur très belle réalisation. Vous avez trois Langlois. Moi, je suis Corinne, donc j'ai réalisé ce film. Évidemment, il y a des remerciements à faire dans une première intention, Madame Latouche, bien sûr, et toute son équipe, donc les élus, et puis les services, je ne sais pas comment on appelle, techniques, les services, enfin tous les autres. Voilà, Jonathan, Madame Levert, Madame Levert. Et puis aussi tous les gens qu'on a rencontrés pour aller les filmer. Les lieux, les gens qu'on met à disposition des lieux, mais aussi leur activité. Voilà, tous les gens que vous allez pouvoir voir dans ce film, qui nous ont tous très bien reçus. C'était vraiment un plaisir. Alors, ça peut paraître un peu banal de dire ça, mais sincèrement, c'était un plaisir de faire ce film, parce que c'est un territoire que l'on aime beaucoup, même si on n'habite pas le Lude, on est à Verneuil-le-Chétif, mais on connaît bien le Lude, et c'est une ville qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est un film ambassadeur, comme a dit Madame Latouche. Donc un film ambassadeur, c'est un film qui essaie de mettre en valeur de manière la plus belle et la plus humaine possible. C'est ce qu'on a voulu. On a voulu un film extrêmement humain, vivant. Voilà, le Lude est très vivant. Le Lude est une jolie ville. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors déjà, évidemment, bonjour à tous les Ludois qu'on aime beaucoup. Notre expérience professionnelle au fil des ans nous a souvent amené à vivre des moments de tournage au Lude. Et c'était un véritable plaisir, Madame Latouche. On vous remercie de votre confiance. Je pense aussi à Louis-Jean, je pense à Jonathan qui nous a accompagnés partout. Madame Levert, effectivement, avec laquelle on avait des discussions. Cinéphilique. Globalement, si vous voulez, le Lude est une très jolie ville. Certains l'ont affublé de la belle endormie ou des choses comme ça. C'est totalement faux. C'est une ville qui est en vie. Bien évidemment, pour la filmer dans la période de Covid, c'est moins évident. Il y a moins de rassemblements, etc. On a essayé quand même
de gommer cette période-là, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de masques à l'image, pour que ce soit votre ambassadeur, sans que ce soit forcément daté. Mais bon, c'était de belles rencontres, un beau moment de travail. La proximité nous a amenés à venir tourner dans des moments de la journée qui sont des moments assez doux, assez beaux, en lumière. J'espère que vous prendrez plaisir à le regarder. Et surtout, profitez-en quand vous aurez le lien, pour le communiquer. C'est vraiment un ambassadeur, un film. Ça marche très bien. Voilà. Bonne soirée à vous. Je ne vais pas être très longue, mais je voudrais absolument ajouter quelque chose pour toutes celles et tous ceux qui étaient déjà au LUD, donc qui étaient dans les parages en 1994. Il y a eu un film de fiction, un long métrage d'Aline Isserman qui s'est tourné ici. Peut-être quelques-uns l'ont vu. Et je veux dire que la musique de ce film a été faite par Louis Isserman, le fils d'Aline, qui joue le petit garçon dans le film Dieu, l'amant de ma mère et le fils du charcutier. Voilà. Et c'est lui qui a composé cette musique. Et je vous remercie aussi pour ce choix. C'était un très beau choix. Merci beaucoup pour lui et pour ça.
vous pouvez le voir, nous pouvons être fiers de notre ville, de sa nature, de ses femmes et de ses hommes de talent. Je profite de ce discours pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles et entreprises, et elles sont nombreuses suite au confinement, qui ont décidé ou qui projettent de s'installer dans notre belle commune en 2020 ou en 2021. Vous avez fait le choix d'une commune où vous pouvez croiser des acteurs d'envergure internationale. En effet, le grand Tony Parker est venu en visite au Haras des Sablonnais le mois dernier, ou encore le chanteur Amir qui nous a fait la bonne surprise de choisir le Lude pour le tournage de son dernier vidéoclip, Ma Lumière, une chanson pour son fils. Parce que l'actualité nous y oblige et parce que nous devons rester positifs, j'ai tenu ce soir à partager ce joli moment musical avec vous. Je vous propose à présent de récompenser les innovations et les initiatives de l'année 2020. C'est comme chaque année un grand plaisir pour moi de décerner les trophées de la Commune Nouvelle. Une belle occasion pour témoigner, échanger, s'inspirer des bons exemples et participer ainsi à une émulation collective et positive. Nous partageons une vision commune avec les acteurs qui seront récompensés aujourd'hui, faire rayonner la Commune par toute sa diversité. J'appelle le maire délégué de la Commune Nouvelle, Jacky de Serre. Bonsoir à tous. Donc je vais commencer la remise des trophées de la Commune Nouvelle du Lude pour l'année 2021. Donc dans la catégorie développement économique, j'appelle monsieur Xavier Pinero, gérant du restaurant Le Relais de la Marconne à Dissé-sous-le-Lude. Donc en 2021, nous fêtons les 10 ans d'installation de Xavier Nadège dans le local commercial municipal situé juste à côté de la mairie de Dissé. Nous pouvons aujourd'hui compter sur un restaurateur de qualité à Dissé-sous-Lude. L'équipe municipale a décidé de récompenser la longévité de ce partenariat par un trophée du développement économique. C'est particulier pour moi, Xavier, de te remettre cette récompense. En effet, j'étais présent fin 2010 lorsque nous vous avons reçus tous les quatre pour la première fois à Dissé-sous-Lude. Je suis vraiment très heureux de te décerner ce trophée. Je sais que c'est compliqué pour vous aujourd'hui avec ce fameux virus. J'invite chacun de vous à aller découvrir ou à retourner au Relais de la Marconne dès que les conditions sanitaires le permettront. Félicitations à Xavier et félicitations à Nadège. Bonsoir, messieurs, dames. Merci, Jacky. Et c'est vrai, il y a 10 ans, on était là. Les enfants étaient tout petits, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. C'est tout petit. Merci, ben, merci beaucoup. À présent, j'appelle notre adjoint à la voirie, M. Jean-Paul Tricot. Bien, bonjour à tous. Moi, je vais recevoir Delphine Rouillard. Bonjour. En 2020, malgré une année difficile pour la profession, Delphine Rouillard a décidé de devenir propriétaire de son salon en achetant l'ancien magasin Sylvie Fleur, situé 47 Place Neuve. De nombreux travaux de réhabilitation ont été effectués pour répondre aux normes et en vigueur avec le soutien de l'architecte des petites cités de caractère. L'équipe municipale a tenu à récompenser cette initiative qui contribue à la revitalisation concrète de notre centre-ville et participe à la rénovation de qualité et en lien avec le label Petite Cité de Caractère. La municipalité vous remercie de votre action et de votre magasin, de salon de coiffure. Merci à vous. Si vous voulez le découvrir, venez, il n'y a pas de souci. La décoration que Delphine a choisie a été une décoration à base de bois et l'idée c'était un salon cocooning et c'est très très bien réussi
Il est magnifique. Bravo Delphine. J'appelle maintenant Monsieur Jean Le Gallais, mon conseiller municipal délégué à la culture. Bonsoir à tous. Dans la catégorie engagement culturel, l'équipe municipale a décidé de récompenser Léo Mindron, danseur professionnel, qui est actuellement sur Paris et qui ne pourra pas être avec nous ce soir. Vous avez pu le voir dans le spectacle Chicago Musical, au théâtre Mogador à Paris, ou encore dans la comédie musicale Ghost. Metteur en scène d'un spectacle d'exception intitulé In My Head, excusez-moi l'anglais, je ne suis pas très ferré là-dedans, mais Léo Mindron a décidé d'offrir sa représentation à l'Espace Ronsard en juillet 2020. Le spectacle a été très apprécié des Lidois. La jauge limitée à 200 places a été rapidement atteinte. Nous pouvons nous réjouir de pouvoir compter sur de nombreux acteurs culturels locaux au LUD. Il faut rappeler que Léo Mindron a commencé à danser au LUD à l'âge de 5 ans. Au nom de tous les administrés, merci à Léo Mindron, mais aussi aux artistes qui ont contribué à ce spectacle. Mélanie Piennoir, Marianne Orlovski, Benoît Charon et Abdel Rahim Madi. La commune nouvelle vous remercie de votre action et vous adresse toutes ses félicitations. Nous sommes toujours très très heureux de retrouver nos jeunes qui ont été des enfants ludois, des jeunes adolescents. Et puis maintenant, eh bien, ils deviennent adultes et ils reviennent pour nous présenter leurs compétences. Et voilà, et je suis très très fière de pouvoir les recevoir à nouveau. Maintenant, je vais appeler notre première adjointe qui est en charge du sport et des associations, Laurence Huttereau. Bonsoir à tous. Dans la catégorie engagement citoyen, j'appelle Monsieur Gérard Livet, qui représente aujourd'hui l'équipe de bénévoles qui a entretenu et balisé nos chemins de randonnée en 2020. Christian Mingot, Jean-Michel Pruneau, Noël Boignet, Roger Duguas, excusez-moi, Michel Morin, Jean-Jacques Verdun, Philippe Morin ont remis en état, nettoyé les chemins de randonnée de la route de Genteil vers la Péclinière, de l'ancienne route Péclinière vers la Côtière de la Cave, du Vauloger vers Cavefort, du Rayon vers le Râteau. Passionnés de VTT, ils ont aussi balisé un circuit de 30 km empruntant les chemins du Lude, d'Issé-sous-Lude, Chigné, Broc, au départ de la Voie Verte à proximité du coworking. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons nous réjouir de compter sur nos nombreux bénévoles qui font notre commune un endroit vivant et agréable, doté de 60 km de chemins pédestres. Ainsi, au nom du conseil municipal, voici le trophée et l'engagement citoyenne et le diplôme à l'intention de toute l'équipe. Merci et félicitations. Merci pour la municipalité. Et on s'aperçoit qu'en faisant du VTT, qu'ils sont beaucoup pratiqués les sentiers pédestres et piétonniers. Ça fait plaisir de les avoir ouverts. Bravo. Merci. Normalement, vous avez un diplôme pour chaque personne, chaque bénévole. Merci. Allez, merci beaucoup. Nous gardons notre première adjointe pour le deuxième trophée. Je tenais simplement à dire encore une fois merci à tous les bénévoles qui nous aident, parce que une municipalité, ce sont des élus, ce sont des agents, mais c'est surtout des citoyens engagés qui nous aident au quotidien. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre en place notre politique municipale, lorsque nous sommes soutenus par des gens qui s'impliquent. Et là, c'est le cas. Alors merci, merci beaucoup.
Dans la catégorie engagement associatif, j'appelle Jérôme Brasil, secrétaire du club Pongiste Ludois. En juillet dernier, la première assemblée générale du club Plongiste Ludois s'est déroulée salle du Bellay à la maison des associations. Le club devient ainsi le 60e club enregistré par le comité départemental, avec 14 enfants et 13 adultes. Je remercie tous les bénévoles de nos associations de leur engagement auprès de nos jeunes, grâce à eux. Notre commune possède 4 flammes sur son label « Ville sportive » et c'est une grande fierté. J'adresse également un grand remerciement aux membres, au directeur de la commission sport et vie associative qui m'accompagne au quotidien pour la réalisation de tous nos projets. Au nom de la municipalité, je vous remets ce soir un trophée de l'engagement associatif. Merci pour votre investissement. Félicitations et bravo à toute l'équipe. Merci au nom du club et puis de ses 27 adhérents. Merci beaucoup. On a déjà un tissu associatif très important au Lude, mais avoir de nouvelles associations, ça fait partie du dynamisme de la ville. Encore une fois, je répète, la ville du Lude est très dynamique. J'appelle maintenant notre adjoint en charge du développement durable, du fleurissement, du cimetière, plein de services très importants pour la commune, Monsieur Champy Michel. Bonjour à tous. Dans la catégorie engagement citoyen, j'appelle M. Sylvain Renoux des établissements Renoux Horticulture. Durant le premier confinement, en avril 2020, l'entreprise Renoux Horticulture a fait preuve d'une grande générosité. Alors même que la conjoncture était difficile, Sylvain Renoux, ici présent, a préféré faire don de sa production à la municipalité au lieu de la jeter. Ainsi, les 2000 tombes de nos cimetières ont pu être fleuries à l'occasion des rameaux. À ce titre, l'équipe municipale tient à vous témoigner sa gratitude en vous décernant un trophée de la ville dans la catégorie engagement citoyen. Au nom de tous les habitants de la commune nouvelle, merci pour ce geste. Merci à Madame le maire, merci aux personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette action, en particulier à mon personnel et à Pascal Renoux qui m'a aidé dans la logistique. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Renoux, je pense que vous avez les remerciements de la municipalité, mais vous avez aussi le remerciement de toutes les familles, puisque nous avons eu beaucoup de retours des familles ludoises qui ont été particulièrement touchées par votre geste, puisque c'était un moment en plus où ils ne pouvaient pas se déplacer dans leur cimetière. Merci beaucoup. Alors maintenant, dans la catégorie engagement associatif, j'appelle Monsieur Piffet Christian, président de l'association CHAM. La sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine est, comme vous le savez, une de mes priorités pour ce mandat, ainsi que la formation de nos jeunes en proximité. Notre jumenterie, retenue en juin 2019 par la mission Berne, parmi les 103 sites du patrimoine français à sauvegarder, a vu son chantier école débuter en septembre dernier. Ainsi, 18 apprenants actuellement en réinsertion ou en service civique sortiront grandis de notre chantier école avec une véritable formation de maçons spécialisés. Cette aventure n'aurait pas été possible sans le concours de l'association CHAM, Chantier Histoire et Architecture Médiévale, et de son président, M. Piffet. Depuis 1980, l'association est présente sur de nombreux chantiers de restauration comme véritable prestataire de formation et d'éducation populaire. Je salue également le travail de M. Thomas Moussu, coordonnateur technique national, et de M. Didier Payet, chef de chantier à la jumenterie et ludois. Au nom de toute l'équipe municipale et en particulier en mon nom, puisque cette association m'a vu en tant que bénévole, il y a très longtemps, j'ai le plaisir de vous décerner un trophée de la Commune Nouvelle pour votre engagement à nos côtés. Félicitations et merci beaucoup. Je voudrais évidemment vous remercier pour ce trophée au nom donc de l'association, puisque chez nous, on a quand même pas mal de gens
qui soit sont bénévoles pendant les périodes d'été, soit volontaires du service civique, soit tout simplement sur le programme Prépa-Rebond de votre région qui est très investi sur la formation des jeunes et en particulier s'intéresse beaucoup donc à son patrimoine. Évidemment, Madame le maire, qu'on connaît bien, qui a fait ses armes étant très jeune sur des chantiers de bénévoles et qui n'a pas oublié, une fois élue, qu'elle pouvait aussi faire profiter sa commune et l'ensemble des habitants. En même temps, j'en profite pour vous remercier de cette invitation et de ce trophée. Et puis en même temps, je vous souhaite une bonne année, le mieux possible, dans les temps qui courent. Pour continuer dans la remise de ces trophées, je vais appeler mon adjointe, ma petite adjointe en charge des RH et des finances, Corinne Bourrel. Dans la catégorie engagement de nos professionnels de santé, j'appelle Madame Isabelle Burbeau, directrice du site de l'hôpital local François de Daillon du Lude. L'année 2020 a été assurément historique pour l'ensemble du personnel soignant de notre pays. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage aux personnes en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Je veux bien sûr parler du personnel hospitalier. Je mesure combien la crise a pu rendre leur quotidien encore plus complexe. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un personnel dévoué qui, dès les premiers jours de la crise sanitaire, a dû parfois délaisser sa famille pour prendre soin des autres sans hésiter. Au nom de l'équipe municipale, veuillez accepter ce trophée destiné à l'ensemble du personnel de l'hôpital François de Daillon, qui est un acteur économique majeur de la ville et que nous soutenons au quotidien, avec tous les remerciements de la population ludoise et dicéenne. Oui, bonsoir, merci beaucoup Madame le maire, je suis très touchée effectivement pour la reconnaissance de tout le travail qui a été accompli par notre personnel au sein de l'établissement et je tiens quand même à signaler que nous avons pu préserver la santé de nos résidents puisqu'on n'a pas été touché par la Covid au sein de l'EHPAD, ni UPAD, ni USLD dans notre établissement. Et là, c'est grâce à l'effort, effectivement, de toute l'équipe. Et merci beaucoup pour cette reconnaissance. Je vous remercie infiniment. Bonne soirée et bonne année. Pour continuer dans la remise des trophées, j'appelle notre adjointe en charge de la santé et de la solidarité, Madame Céline Aubert. Bonsoir à tous. Dans la catégorie engagement de nos professionnels de santé, j'appelle Monsieur Franck Israël Alexandre et Monsieur et Madame Jacques-Antoine Duval, pharmacien du Lude. Toute la chaîne pharmaceutique est aujourd'hui totalement mobilisée dans la lutte contre le Covid-19. Au Lude, nous pouvons compter sur deux pharmaciens de qualité pour conseiller la population, garantir l'accès aux médicaments et produits de santé et ainsi assurer un soutien pour la distribution de masques, de gel hydroalcoolique et d'équipements de protection. L'équipe municipale a tenu à saluer votre disponibilité et votre efficacité durant la crise sanitaire en vous décernant un trophée de la commune nouvelle. Nous tenons aussi à vous remercier pour votre participation aux réflexions menée par la mairie pour le projet santé de la commune. Félicitations. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la municipalité. Je crois surtout qu'à travers ce trophée, c'est une bonne collaboration entre les deux pharmacies qui est saluée, mais également avec tous les professionnels de santé du Lude. Et donc merci pour ça et j'espère que ça continuera encore très longtemps. Donc, merci, on a juste fait notre travail dans des conditions légèrement particulières, mais comme c'est la cérémonie où on peut faire des remerciements, moi je voudrais remercier c'est toutes les couturières bénévoles, quelles que soient les associations, qui nous ont vraiment dépannés pour fournir les premiers masques aux Ludois. Et vraiment ça, je pense qu'on peut vraiment les remercier, parce qu'on était vraiment dans la panade. Voilà, merci. Pour continuer, je vais appeler
notre adjointe en charge du scolaire et d'ICN, Madame Ingrid Liénard. Bonsoir à tous. Dans la catégorie engagement de professionnels de santé, l'équipe municipale a décidé de décerner une distinction à Madame Sandra Cognier, infirmière libérale à la maison de santé, qui n'a pas pu se joindre ce soir avec nous. Lorsque les premières phases de tests ont commencé au LUD, Madame Cognier s'est tenue disponible avec tous les habitants pour réaliser les tests PCR, pour soulager les laboratoires alentour et réduire le délai d'attente pour obtenir les résultats. À ce titre, l'équipe municipale a décidé de lui décerner un trophée de la ville pour son engagement et sa disponibilité. Nous lui adressons un grand merci et toutes nos félicitations. Nous lui remettrons bien évidemment ce trophée. Alors on pense à toutes les professions libérales, évidemment, qui ont participé. Mais c'est vrai que Mme Cognier, tout de suite, s'est positionnée pour les tests rapidement. Je continue en appelant notre adjoint au bâti, M. Jean-Claude Ami. Bonsoir à tous. Dans la catégorie engagement de nos professionnels de santé, j'appelle Madame Sophie Lyon. Madame Lyon, la municipalité est heureuse de vous honorer ce soir pour votre dévouement face à la crise sanitaire que nous traversons. Merci pour votre perspicacité lors de nos marchés hebdomadaires du printemps dernier, ainsi que pour votre rôle d'information et d'accompagnement à la population. C'est au nom de l'ensemble des habitants que l'équipe municipale a décidé de vous décerner ce trophée. Merci et félicitations. Je vous remercie, je suis très honorée. Je ne prends pas du tout ce trophée pour moi, mais plutôt pour si je pouvais être la représentante de tous les professionnels de santé libéraux de la ville qui, malgré la crise, ont su se céder, malgré leurs craintes, ont su faire leur travail. Bien sûr, on attendait ça d'eux, mais je trouve qu'ils ont été quand même assez... ils ont su s'entraider, c'était très important. Et tout ça pour dire que vous pouvez compter, vous, les habitants de la commune, sur une équipe qui sera toujours là pour vous servir. Voilà, merci. Alors, le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2021, bien évidemment, serait que l'épidémie de Covid-19 cesse au plus vite. Cette épreuve, même si elle nous semble sans fin, aura une fin. La campagne de vaccination progresse pour que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte, et pour retrouver nos instants de convivialité qui nous manquent tant, qui me manquent tant. Je tiens à rappeler ici au gouvernement que la ruralité ne doit pas être oubliée dans l'organisation de cette vaccination du public. Et je continuerai à me battre pour notre territoire et ses habitants. Réjouissons-nous de fermer la porte à 2020, sans aucun doute l'année la plus difficile depuis le début du siècle. Et même si la crise n'est pas terminée, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une année sereine, joyeuse, avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, de vivre et surtout d'espérer. Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n'auront autant trouvé de résonance dans nos esprits. Nous avons la chance de vivre dans une belle commune, le LUD, dans un beau département, la Sarthe, dans une magnifique région, les Pays de la Loire, et dans un beau pays, la France. Alors, abordons demain avec optimisme. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Ce n'était pas prévu au programme. Maintenant, c'est à nous, adjoints, directeurs, de vous remercier. Au confinement, vous avez été sur le front, en première ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour protéger et protéger vos citoyens. Deux fois par semaine, nous faisions un point sur la crise sanitaire. Plusieurs fois, nous vous avons demandé le téléphone d'astreinte pour vous soulager. À chaque fois, la réponse était « Non, ça va, restez chez vous, prenez soin de vous et de votre famille. » Mais nous étions là pour vous soutenir.
Pendant cette dure période, avec votre nouvelle équipe d'adjoints et de directeurs, vous avez réussi à créer un lien très fort. Nous sommes une équipe soudée grâce à vous. De la part du maire délégué, des adjoints et des directeurs, nous vous disons merci. Et merci pour ton investissement. Merci beaucoup. C'est une surprise, évidemment. Alors, merci. Après, comme dirait un pharmacien que j'ai côtoyé il y a quelques instants, je n'ai fait que mon travail. Mais je tenais quand même aussi à remercier le policier municipal, M. Lenoble, qui est dans le public, parce que sans lui, j'aurais vécu des moments encore plus difficiles, parce que l'ensemble des élus, sincèrement, était présent. Les Ludois ont respecté la plupart du temps des règles, mais on avait quelques petits contrevenants qu'avec M. Lenoble, nous coursions régulièrement dans la journée ou dans la soirée. Mais globalement, c'est vrai que les Ludois ont respecté. Alors, merci en tout cas à M. Lenoble de m'avoir assisté. Merci aux adjoints et merci au directeur.